Iron Giant Kai. Je ne savais plus où je montais. Allez, j'en perdais mon français. On est parti. Alors. Avec attaque magique. Donc, deuxième essai, hein, bien évidemment. Je pense que ouvre-boîte version reine, vous allez voir. C'est de toute brotaille. Bah en vrai on va faire LB. Ça te dirait pas de mieux jouer si j'essaie de faire autant que toi, Gébard. J'essaie d'être aussi bon. Mais tu sais que c'est un talent inné que tu as. Par contre il est pas... C'est normal ça. C'est quelque chose que... Pouf. Des années d'entraînement chez toi Gébard, je le sais. Hein. Passe 36 sur vous. C'est fait. Allez. Nom de LB. Mitigation magie. Avec des FSPR. Double LB. Hop, on a peut-être grillé les étapes là. On a peut-être grillé beaucoup d'étapes en même temps. Au secours. Donc LB c'est fait. Rappel, hein, il était quand même boosté en DF. Hein. J'ose pas imaginer sans ça. Ça va, on a la mitigation magique. Pas faire grand chose. On redonne la LB. On tapouille. LB. Tapouille. LB de Lena. Rebreak. Cover. Première chimère. Je n'ai même pas vu si on l'avait déjà dès le départ, je n'ai même pas fait attention. Up def et magie. Tout à l'heure on a vu qu'on pouvait pas le dispel ce truc. Remettre la mitigation magique qui a sauté. Je sais pas si ça. Je pense que c'est du neutral. Hein. Tape. HP anti-stop sur tout ça. On a vu que c'était notre ennemi numéro 1. La para aussi. Il fallait soigner. Heureusement qu'on a une anti-mort sur les reines. Bah non. Bah non, chef. On va plutôt le faire comme ça. C'est là en fait que je devrais peut-être sortir de l'autre Nico. Ah. Une mitigation de 50%. Pas du tout. On a plus le fire. va passer en batterie PM après. On aura l'auréole. Ça, ou mettre un finish à la place là. Nicole ou un finish. Aïe, ça va. Ah, il faut en même temps protéger l'altération de stop et en même temps de para, B en même temps, faux auréole. Après, il y a lui qui a son auréole. Autant protéger maintenant. On ne sera jamais fait. En même temps, il y aura un heal après. Plus safe. Bah, refaire le combo. Hein. De toute façon, il a que ça à faire. Pour être tapé, on va pas s'amuser de perdre. C'est Darkness. Mitigation magie. Gagner l'esquive physique ici. Deux chimères, c'est bon. Reste plus que le kill à 30 tours. Ça va se fixer, il faudrait vraiment qu'on est là. LB auréole. Il faudra remettre l'anti-stop après. On bourse ça. Ah d'ailleurs j'ai mis ça mais j'aurais pu mettre avant ça. Mettre deux fois ça. La grosse mitigation magique. La LB le triple cast. Là on va rien avoir de spécial. Hein. Mais qu'on voudrait que ça aille là. Raté. C'est perdu. On va break attaque magique. Essentiel. On peut faire ça juste après qu'ils aient fait leur LB. On soigne. On protège l'anti-stop. On continue le setup. Je dirais que là il nous faut le CD 50 sur Rain. La grosse tartine à tonton. On va remettre l'auréole. Aïe aïe. Alors là il est full buff. Il est full buff et là je pense que c'est vraiment son côté enragé. On peut rien faire. Je tente le dispel quand même. Moi je pense que c'est pas dispellable. Ça me paraîtrait trop simple de pouvoir le dispel là. Sachant que c'est une sorte de forme de burst, je dirais. Le fire, pardon. Je suis quasi sûr que c'est ça. Hein. Si je le fais, au pire, je peux faire ça, mais je peux faire auréole sur qui alors? Auréole là, dispel, et auréole sur elle. Vous allez voir. Voilà le dispel. Ah si, ok. Attaque magie, ça peut s'enlever, autant pour moi. Alors bah juste attaque magique. Un peu 50% de multiplication de dégâts. Et on va continuer notre chain. Cover physique. Je pense que là, on peut le tuer. Faire une LB, c'est bon. Faire les deux summons, bon, on peut en refaire une au cas où. Ah, il est plus... Il est plus blind et il peut me toucher? D'accord. Oh la chatte. Alors clairement là c'est la chatte. Mais what the fuck, il peut me toucher. Mais il va se calmer lui. C'est au cas où. C'est vraiment au cas où qu'il n'y avait pas les deux summons. Mais au moins c'est fait. Donc 10 tours. Ouah, clairement que ça va mieux qu'avec Noctis. Hein. Il n'y a pas photo. Et surtout quand on n'oublie pas le stop et la protection à tout ce qui est paralysie, pour tank physique. C'est bien mieux. Allez, un raffle pour le kit du boss. Bon, j'avoue qu'il est vraiment pas doux. Il est pas compliqué du tout. L'élément clé, il est vraiment dans le blind et le tank physique. Ce qui était marrant, c'est quand même qu'à la fin, qu'il puisse passer au-dessus des 100% esquive que l'on a. Mais un jour, un boss s'est encore confirmé. On a encore tombé un nouveau boss. Le retard hein, se creuse. Donc toujours un anti-mort stuff. Hein, je vous fais pas de dessin, mais c'est toujours du HP, de la def, de la SPR. Dans tout ce qui est tank en fonction de leur rôle, tout ce qui est donc la 100% physique, malgré qu'on a vu qu'il y a eu de la tape hein, qui a touché. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, quand on recompte, il y a 10 ici, il y a 15, il y a 40, il y a 60, il y a 70, il y a 90, il y a 100. Salut celle-ci. Donc avec 100... Il m'a, avec 100% esquive, il m'a tout de même réussi à toucher Warrior of Light. Explication, j'en ai aucune. Cécile, franchement, il n'a pas montré son stuff. Il était juste là en tant que batterie, en tant que support à côté, les mitigations, etc. Mitigation magique, les 75% mitig avec le CD, la LB en général, la batterie PM pour les rains. Et les films, qui est quand même un élément clé hein, pour les breaks. Alors on aurait pu passer avec un élément light puisqu'il y avait un impéril 100% light. Mais bon, rester en feu c'est très bien aussi. Et Rain qui était donc en killer humain avec des dégâts LB. On aurait pu changer ici. Récupérer un deuxième de Noctis pour avoir un peu plus d'ATK. Le casque de Aileen. Sa propre STMR bien sûr pour les 50%. Trou de baleine avec le gant de Hackstar pour les 50%. Bien sûr Diabolos sur votre DPS physique. 10 tours, je pense que ça va être la moyenne. Avec une team comme ça va être une moyenne de kill. Mais il n'est pas si compliqué. Il a ça en stock. Ah, avec 100% accuracy. D'accord, donc c'est très certainement ça qui m'a mis en PLS. C'est le 100% accuracy que nous parle Braves. Donc faut savoir que là on vient de le faire en full blind, donc vous voyez il n'y a pas vraiment beaucoup de boss, hein. Bon après on a une team vraiment qui est faite pour les blinds. Mais il n'y a plus grand chose de la japonaise qui peut résister à une team comme ça, si ce n'est que d'aller voir les résistances élémentaires, slash éléments, enfin killer à aller chercher sur les boss. C'est la seule chose que je vais me renseigner et ensuite j'y vais en mode YOLO. Hein. Boss pas compliqué encore une fois, je rappelle. Merci à tous, des bisous et à bientôt.